Là, faut que t'expliques qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, il est tard, là. On a commencé à vlogger, quoi, 1h à 2h d'après-midi? 3h moins quart. 3h moins quart. Mais on s'en va au centre-ville de Kuala Lumpur, où est-ce qu'il va y avoir les deux tours, plein de magasins américains. Fait que là, on va aller faire un peu de shopping. J'ai besoin d'un produit pour mes cheveux. Parce que j'en ai pas amené du tout. Bébé, je peux pas mettre ça dans mon vlog à moi. Bang, bang, bang. Et donc on est en train d'attendre un Uber à cause qu'on s'en va au centre-ville. On s'en va au centre-ville de Kuala Lumpur, parce que les deux grosses tours, c'est une super grosse ville avec beaucoup de densité de population. Bref, fait que là-bas, on va regarder les boutiques, on va magasiner, on va manger au restaurant. Mais non seulement ça, mais on va aller rencontrer un mec qui s'appelle Stephen Well, qui a voyagé à travers le monde. Il a passé à travers le Journal de Montréal, le Journal de Québec et plein d'autres publications. Alors j'ai bien hâte de rencontrer cette personne-là. Ça en slow motion, ça va être malade. Comme dans la matrice. Comme dans la matrice. C'est bon. Nous sommes présentement en présence de la variété écologique présente en Malaisie. On voit ici un spécimen blanc de canadienne non acclimatée. Nous entrons maintenant dans la forêt ténébreuse de la Malaisie. Avec ses arbres centenaires, et sa richesse au niveau de la diversité des insectes ainsi que de la race des Homo sapiens. Nous voyons ici un exemple de Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'il y a? Je traitais quelqu'un de Cro-Magnon. Un pont. Bâti il y a sans doute plusieurs centaines d'années et devant plusieurs espèces animales en train de converger ensemble. À travers les branchages, nous avons découvert un monument créé par la race des hommes malaisiens, communément appelés les Malais. Ils ont érigé une grosse crise d'affaires rouges pour célébrer le sacrifice d'une femme vierge qui aura sans doute lieu d'une minute à l'autre. Les Homo sapiens sont en train de s'abreuvoir à ce qui semble être un bar d'eau. Parce qu'ici, en Malaisie, l'eau est une denrée rare. Alors les gens se regroupent autour des gisements d'eau lorsqu'ils en trouvent. Oh, de l'eau. Ici, les marches sont plus hautes, car par le passé, il y avait des géants qui restaient dans cette ville. C'est pourquoi il faut parfois s'acclimater à la hauteur très distinctive de ces marches. Les gens se servent parfois de ces marches comme sièges, tout en ignorant la véritable nature de ces marches, qui ne sont pas des sièges, mais bien des marches. Tout le monde a une caméra, anyway. Tout le monde est comme content que je les filme. Genre, comme lui, il est en train de se regarder. Moi aussi, je suis en train de te regarder. Comme lui, là, il est en train de se faire photographier. Moi aussi, je le photographie. Tout le monde se photographie. Every fucking body is taking pictures. Ah, faut pas que je dise en anglais, ils comprennent l'anglais. Damn it! Be stealthy! Je sais pas pourquoi ils font du drum, là, mais... C'est le nouvel an, c'est moi. C'est pas le nouvel an, c'est plein moi le nouvel an. Ils sont mêlés, les autres. Un petit enfant a un sac queue de Spider-Man. Il m'a entendu lorsque j'ai dit petit enfant. Est-ce qu'il parle français? Peut-être. Ok. Tour, encore une fois, les tours, on les a vus, c'est beau.
ils ont tous les magasins, ils ont leur propre boutique. Ils n'ont pas besoin de Sephora ici. Ça fait de bon sens. Ça fait de bon sens. Calé. Capote. Pour décompresser, c'est une bonne bière. Yes. C'est tout?